Alors, les techniques que vous voyez reposent tous sur le principe du déséquilibre. Jamais on ne s'oppose à la force de l'adversaire. Et en fait, quand on regarde comme ça, on a parfois l'impression que Bouquet se laisse tomber, mais je vous garantis que vous ne pouvez pas rester sur les techniques qu'on vous subissez. Et aussi le cérémonial assez important que nous avons dans l'aïkido. Ce cérémonial peut paraître un peu étrange pour nous, pour les non-pratiquants, permet en fait d'avoir de pratiquer en toute sécurité. On attend que Bouquet arrive à sa place, à ce qu'il n'y ait pas de risque de blessure, à cette question de ça. Et également par respect par rapport à l'enseignant. Nicolas et deuxième dame. Toutes les techniques que vous voyez ici, ce sont des techniques qu'on apprend en fait tout au long de l'aïkido. Dès les premiers cours, vous allez les apprendre. Petit à petit, elles vont évoluer, les techniques de plus en plus efficaces. Pour la pratique, elles sont évidemment